le problème ici, nous sommes à la CNSS, ça fait déjà 2 ans. Il y a ceux qui ont fait déjà 2 ans, 1 an, sans avoir leur salaire. Les dossiers sont bloqués avec elle. Quand les dossiers arrivent ici, elle bloque, elle met ça en fourrière. Cela veut dire qu'ils ont un garage. Mais maintenant, quand on vient demander, oh, faire des plaintes, oh, les dossiers en cours de traitement. Dossier en cours de traitement pendant 2 ans. Nous, on fait comment? Nous, on vit comment? On devient des malheurs, on devient des demandiants pour commander 100 francs, 100 francs à l'autre pour prendre le taxi, venir de surveiller le dossier. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de souffrir. Elle nous doit l'argent, elle nous doit l'argent. Les dossiers sont bloqués avec elle, elle ne veut pas signer les papiers. On fait comment pour vivre ici? On a des enfants, on a des maisons. L'hôpital nous entend. La Clamgest n'accepte plus les cartes aujourd'hui. C'est annulé. La SCG ne doit pas entendre 3 mois. Ne doit pas entendre 1 an ou 2 ans. Voilà, c'est à cause de ça là où nous sommes venus gréver. Donc on veut son départ. On ne veut pas qu'elle soit là. Que le Premier ministre comprend notre problème. Nous, on est en train de souffrir. Il est dans son bureau, mais nous, on est en train de souffrir le soleil. Il n'est pas là avec nous. Nous, on souffre. On ne peut pas faire 2 ans sans manger. On mange quoi? On vit avec quoi? Voilà pourquoi nous sommes en train de gréver. C'est à cause de cela. C'est la souffrance. On ne peut pas faire 2 ans. Vous gardez les dossiers des hommes. Tu es retraité 2 ans. Tu souffres. Il n'y a pas l'argent. Tu arrives ici. Le dossier en cours de traitement. Le dossier en cours de traitement. En cours de traitement, on va traiter ça quand? Même qui nous pousse à faire le bruit là. Ça fait 15 mois que je suis en retraite. Jusqu'à aujourd'hui là, on ne paye pas. Quand on vient ici demander, ils disent que c'est en cours de traitement. En cours de traitement. En cours de traitement. Oh, le dossier au contrôle. Alors que dans les papiers, c'est 45 jours. Et je suis à 15 mois, 2 ans. C'est pas possible, on n'aime pas ça. Et les autres sont là pour exiger leur paiement mensuel. On doit nous payer par mois, au lieu de par trimestre. On loue, on souffre, on va gagner quoi par trimestre? Qu'elle nous paye par mois. C'est ce qu'on veut là. Nous voulons ça. Et me payer mon argent, ça fait 15 mois que j'ai laissé le travail. Les autres 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre comme avec les enfants et nos petits-fils, quand même. On vit comme dit à Madame Nicole de nous payer. Elle n'exige rien, on veut nos droits. C'est notre argent. C'est pas pour elle, c'est pour nous. Très bien. Je suis allée en retraite, Dieu merci, elle doit me payer mon argent. Ça fait 15 mois que je souffre. Les autres 2 ans. Et les autres exigent leur paiement mensuel par mois au lieu de 3 mois. C'est elle tout. Ne peut pas nous gérer. Elle ne peut pas gérer les retraités. Qu'elle part dans un autre ministère. Parce que là, le désordre qu'elle fait là, c'est pas bon pour nous les retraités. Tard et voilà, je décrète que le Salomon a marqué dans l'histoire se répète. Ça donne Leila et Lala, le Fala Mouila. Cantique des cantiques s'adresse juste à celle-là. Femme unique entre 1000 femmes en ce jour-là. Voix du ciel me commande de t'appeler Leila.